et radio de vie. Voilà, donc je crois que nous avons un petit problème technique et on n'a pas de retour du côté du studio. Voilà, mais je pense que vous nous voyez, vous nous écoutez, vous nous entendez correctement. Donc que le Seigneur soit béni pour votre présence. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Papa, nous voulons t'honorer, nous voulons te dire merci pour toutes ces belles choses que tu nous donnes à vivre. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Amen. Nous voulons, mes amis, ce soir, saluer nos frères et sœurs de Nantes qui étaient grandement, n'est-ce pas, qui s'étaient grandement mobilisés et pour la réunion de prière, d'évangélisation de la parole qui était organisée ce dimanche. Et encore merci à vous tous, les frères et sœurs de Nantes, pour votre soutien. Nous avons été beaucoup encouragés, nous le sommes encore. Nous avons pu voir ce dimanche, hein, nous avons vu sur place l'amour que vous avez pour le Seigneur, pour la vérité. Que le Seigneur se souvienne de vous, vous tous. Vous êtes tellement nombreux que nous ne pouvons pas citer vos noms, hein, tous vos noms. Mais en tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous. Vous avez été également nombreux à venir de loin pour nous encourager. Et je crois que nous sommes dans un temps de restauration où Dieu restaure son peuple. Il restaure des choses que l'ennemi a voulu casser, détruire. Et nous avons pu voir des frères et sœurs de La Rochelle, des frères et sœurs de Niort, et de plusieurs endroits qui étaient là, du Mans, de Laval, de voilà, plusieurs endroits en tout cas. Et c'était vraiment un temps d'édification. Et voilà, que le Seigneur en tout cas se souvienne de vous. Et voilà, que le Seigneur soit glorifié pour toutes ces belles choses qu'il nous donne à vivre. Et avant de partager hein, donc l'évangile, je voudrais d'abord nous dire que ce week-end, nous sommes à Dublin. Nous sommes à Dublin, en Irlande. Et vous êtes nombreux à, n'est-ce pas, être touchés par l'évangile du côté de Dublin. Et donc ce samedi et dimanche, nous sommes à Dublin. Donc toutes les informations sont sur le site de TV de Vie. Voilà, donc je pense que le samedi, c'est à partir de 10 h, si je ne me trompe. Et voilà, donc, et dimanche également. Voilà, que Dieu soit béni en tout cas. C'est pour la première fois qu'on va aller dans ce pays. Et dans ce pays que le Seigneur a déjà visité à plusieurs reprises, parce que l'Irlande a connu plusieurs réveils, bien sûr. Et en tout cas, nous sommes vraiment dans la joie d'être avec vous ce week-end. Donc, à l'idée d'être avec vous ce week-end. Que Dieu soit béni. Et puis au mois de juin, nous serons à Montréal, au Canada. Donc, comme on vous l'a annoncé, donc les choses se précisent, hein, donc se concrétisent. Donc, en juin, nous serons à Montréal. On va faire Montréal, Ottawa, et Toronto, New Jersey, Québec. Et on va beaucoup, beaucoup tourner. C'est vraiment le marathon. Et voilà. Donc, ce mois de juin. Et certainement aussi, si le Seigneur le permet, aux Antilles, ce sera peut-être au mois d'avril, mars-avril, on verra comment le Seigneur va nous conduire. Et on va beaucoup tourner pour aller crier partout que Yeshua revient. Et puis, si Dieu le permet, bien sûr, soit le mois de juin ou le mois de septembre, on sera en Nouvelle-Calédonie, voilà, donc à Tahiti, tout ça. Et voilà, nous prions que le Seigneur dispose les choses. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, pour vos prières. Voilà. Bonsoir, tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau de TV et Radio de Vie. Philippe, comment vas-tu? Ouais. Dieu fait grâce. Depuis la restauration aussi de ton couple, je vois que tu brilles, tout ça. Gloire à Dieu. Et Nadia aussi. Bonsoir. Ça va? Ton témoignage a touché beaucoup de personnes, moi le premier. Est-ce que tu as des gens qui t'appellent pour qu'ils te voient, qui t'encouragent quand. Oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'interpellent dans la D'accord. rue, les moyens de transport, les métros, les bus. Le témoignage du Seigneur circule, il est fidèle. D'accord. C'était vraiment sa promesse. Amen. C'est lui qui m'a mis à cœur de témoigner. Et en me disant que ce témoignage n'est pas pour toi. Moi seul, je veux libérer mon peuple, je veux passer un message à mon peuple. Il est fidèle parce qu'effectivement, ça touche beaucoup de personnes. Le Wow. Seigneur touche les personnes. Amen. Il y a des personnes qui témoignent en disant que je suis sur
perdu. Alors, je sais que vous devez rentrer demain, mais j'aimerais faire une demande, c'est possible. Et je ne sais pas l'équipe technique si demain il y a une émission avec Le Pain Quotidien ou avec Ludovic Rouget. C'est avec quoi Le Pain Quotidien? Je crois que c'est avec Ludovic Rouget. Et si je me trompe. Donc, je ne sais pas, je sais que vous êtes sur Paris. Ce serait bien d'avoir aussi, faire une émission aussi pour. Voilà, peut-être les frères, les sœurs pourraient éventuellement appeler pour poser des questions sur ta vie, ton témoignage, et sur aussi le témoignage de Gloria, ta sœur. Voilà, donc c'est une demande. Hein, moi, j'aime bien être violent, hein, donc dans le bon sens du terme, hein, donc pas charnellement, physiquement, mais dans l'esprit, bien sûr. Et hein, je pense que ça va encourager beaucoup de personnes et on va vraiment s'organiser. Et bon, je ne sais pas si vous allez prier d'abord pour cela ou comment. Je pense que ça va faire du bien aux gens, je pense. L'équipe technique, est-ce qu'on peut faire une émission demain à 19h? Ok, parfait. Donc demain, frères et sœurs, 19h, heure de Paris. Donc connectez-vous, invitez vos amis, même païennes, hein, de femmes païennes ou des hommes païens, pour suivre de nouveau ce témoignage qui nous a beaucoup encouragés. Vous pourrez, si vous le souhaitez, éventuellement appeler demain direct à partir de 18h30, enfin 19h. Pendant cette émission, pour éventuellement poser vos questions, hein, donc sur ce que Nadia a pu vivre avec le Seigneur et ce qu'elle vit également avec le Seigneur et Gloria également. Donc, je pense que demain 19h, ça va beaucoup vous encourager. 19h, heure de Paris. Voilà, que le Seigneur soit béni comme ça. Vous pourrez rentrer en Belgique jeudi. Donc, voilà, il n'y a pas de soucis. Et puis, voilà, en tout cas, voilà. Donc, Gloria, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Dieu fait grâce. Pleinement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis nous avons aussi Laetitia qui est avec nous. Comment vas-tu? Dieu fait grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Mes amis, Dieu est bon. La BJC est sortie bien sûr. Et bon, il y a beaucoup de questions autour de cette révision. Hein, et pourquoi porte-t-elle le nom de Jésus-Christ? Vous voulez, certains disent, vous pensez que c'est la seule Bible valable voilà. Donc, de toute façon, on aurait donné un autre nom, ça aurait posé des problèmes. Donc, je crois que nous ne sommes pas là pour nous justifier. Donc, voilà, c'est comme ça. Et ça plaît pas, ben tant pis. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, on n'a pas été mandaté pour plaire à tout le monde, en tout cas, mais pour plaire plutôt au Seigneur. Voilà. Et puis, il y a d'autres remarques du genre, ouais, pourquoi vous avez laissé le mot repentance? Pourquoi il fallait pas le changer? Bon, ben, on sait que de plus en plus le mot repentance dérange. Donc, beaucoup de versions de la Bible changent ce mot, hein, par changement radical, parce que ça dérange tout simplement. Et puis, bon, ils veulent trouver des raisons, tout ça. Enfin, bref, nous avons préféré rester sur ces mots, même s'ils paraissent désuets, même s'ils paraissent anciens, démodés. Mais nous voulons rester sur un vocabulaire typiquement donc biblique. Et puis voilà, donc la repentance, pourquoi la charité, pourquoi pas l'amour? Ben voilà, donc on a eu à donner plusieurs explications là-dessus. Je crois que. Et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de versions de la Bible, comme la Martin, comme l'Osterwald, qui ont gardé aussi charité. Hein, donc, et il n'y a pas eu de débat là-dessus. Et je ne vois pas pourquoi. Voilà, donc ça pose problème aujourd'hui parce que cette version est sortie. En tout cas, une chose est sûre, moi, cette version me fait beaucoup de bien. La parole du Seigneur, bien sûr. Et puis, nous voulons avancer. Et il y aura également l'édition de 2015. Avec d'autres choses encore, et que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Et merci en tout cas aux frères et sœurs qui prient pour nous et qui soutiennent en tout cas le travail que le Seigneur accomplit au milieu de nous, au nom de Yeshua. Voilà, donc, et puis il y en a qui disent, bon, ben, ceux qui ont soutenu seront déçus parce que nous sommes contre la Trinité. Ben, écoutez, on n'a jamais caché notre position par rapport à la Trinité. Ce n'est pas un terme biblique. Ce n'est pas non plus, même l'idée même de la Trinité n'est pas dans la Bible. Dieu est un et puis c'est tout. Donc, il y a un seul Dieu. Nous ne voulons pas adorer trois dieux. Nous voulons adorer le Dieu véritable, le Dieu de la Bible, dont le nom est Yahweh, donc dans le Tanakh, et Yeshua, notamment dans le Testament de Yeshua et dans les Évangiles. Donc, voilà. Donc, Dieu est un. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, donc que Dieu soit béni. Nous croyons que le Père est Dieu, nous croyons que le Fils Yeshua est le même Dieu, donc il est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Donc voilà, donc n'en déplaise bien sûr au Trinitaire. Voilà, alors d'autres aussi disent, mais pourquoi vous n'êtes pas assis avec un comité des protestants et des catholiques pour pouvoir faire cette traduction, cette révision?
Eh bien, tout simplement parce que nous ne voulons pas nous compromettre. Voilà. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes pour faire un travail que le Seigneur nous a demandé. Et puis voilà. Donc, nous ne voulons pas manquer de respect aux gens, mais nous croyons que des Bibles comme le Summer, comme la NBS, ce sont des Bibles complètement tronquées, corrompues et falsifiées avec des mots complètement allégés, n'est-ce pas, pour que ce soit fluide selon les hommes. Et nous croyons que ce sont des Bibles qui font partie des Bibles financées par le mouvement du Nouvel Âge, le New Age, qui est un mouvement qui prône, n'est-ce pas, une vision complètement babylonienne et où tout le monde a le même langage, un langage qui soit politiquement correct. Voilà. Et j'ai même appris que même le dictionnaire français Larousse n'utilise plus le mot repentance, parce que c'est un mot qui est devenu désuet. Je ne sais pas, tu es au courant de cela, Nadia? Voilà. Donc, ce que j'ai appris. Donc, ça reste à vérifier, bien sûr. Apparemment, c'est depuis 20 ans. Et donc, vous voyez que l'ennemi travaille vraiment, mes amis, beaucoup, même au sein de certaines sociétés bibliques, pour pousser les gens à, n'est-ce pas, alléger des mots qui dérangent, comme le péché, comme l'évangile, remplacé par la bonne nouvelle, comme l'évangélisation, qui est remplacée par annoncer la bonne nouvelle, et comme la résurrection, qui est remplacée par l'éveil ou le réveil, n'est-ce pas? Et Bouddha, on l'appelle l'éveillé, et bientôt vous verrez que Jésus-Christ, on va commencer à l'appeler le réveillé. Voilà. En fait on remplace les termes bibliques, les termes de la parole de Dieu, par des termes philosophiques. Complètement. C'est ça, en fait. Complètement. On essaye de mettre effectivement tout ce qui est biblique dans un cadre philosophique. Et c'est là où on doit faire vraiment attention, parce que si on n'est pas conduit par l'esprit, on peut se laisser vraiment endoctriner par la philosophie. Donc, c'est ça qui se passe en ce moment. C'est sûr qu'ils le disent souvent, ce sont des théologiens, hein, essentiellement, qui sont, bien sûr, vous savez, nous sommes contre la théologie. Nous ne sommes pas contre les théologiens, les hommes, mais contre la théologie. Vous voyez, cette science complètement diabolique, hein, il faut le dire, parce qu'on n'étudie pas Dieu, on ne peut pas l'étudier. Dieu se révèle. Dans la théologie, on encourage les hommes, les théologiens, à étudier aussi la philosophie. Et il faut savoir que l'école théologique, aujourd'hui, la plupart des écoles théologiques, si ce n'est toutes, hein, sont influencées par la pensée, n'est-ce pas, la pensée grecque, hein, donc par Aristote. Voilà. Donc, c'est le philosophe Aristote, ce qui a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a, n'est-ce pas, influencé la théologie dite chrétienne. Donc, beaucoup de pères de l'Église, de grands théologiens, étaient avant tout des sophistes, hein, des débatteurs grecs, des grands théologiens, et influencés par la pensée grecque, par la philosophie grecque. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette infiltration au sein du christianisme, au sein de la chrétienté, de la pensée grecque, et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens sont influencés par, bien sûr, cet esprit, mes amis, complètement philosophique, et au point, justement, de remplacer des mots, de changer des mots qui dérangent, et voilà. Donc, nous voulons vraiment rester bibliques. Voilà, donc, on va prendre un passage. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 17, du verset 14 au verset 17. Alors la page 1112. Nadia, je peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Le micro. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur mortelle qui les tue, aux autres une odeur vivifiante qui les conduit à la vie, mais qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu et devant Dieu. Voilà. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu.
la falsification de la parole de Dieu. Et chrétiens, si vous avez la possibilité d'avoir des vieilles Bibles, des anciennes Bibles, faites-le. N'est-ce pas? Donc, comme la version de l'Épée de 1540, comme la Martin de 1707-1744 et 1885-1885, comme l'Osterwald également. Donc, c'est des versions que nous vous recommandons, si vous pouvez les avoir, pour pouvoir, n'est-ce pas, et les garder. Hein, voilà. Parce que là, les temps qui arrivent, qui sont des temps, bien sûr, de l'Antéchrist, eh bien, les Bibles qui seront de plus en plus éditées seront totalement, mes amis, dépouillées de la sève spirituelle, dépouillées, mes amis, de cette parole puissante. Hein, des termes bibliques seront de plus en plus déshabillés et revêtus de la sève philosophique, de la pensée philosophique. Donc, c'est la Bible, bien sûr, du gouvernement mondial, la Bible de l'Antéchrist, la Bible qui va mettre tout le monde, toutes les religions d'accord. Donc, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est complètement globalisé, un monde où il n'y a plus de frontières. D'accord? Donc, un monde complètement informatisé. Et la technologie mes amis, est devenue tellement développée. Les machines technologiques, la communication, tout ça, la technologie a tellement pris de l'ampleur que au jour d'aujourd'hui, mes amis, on peut avec par exemple des satellites qui sont au-dessus de nos têtes, hein, on peut facilement nous photographier, on peut nous localiser facilement, et donc c'est un monde qui est aujourd'hui prêt à recevoir l'impie, à recevoir l'homme impie. Et un des travaux majeurs que l'homme impie fait, et c'est justement la falsification de la parole de Dieu. C'est le fait d'aller à la source même de la Bible, c'est-à-dire aller voir les sociétés bibliques, voire même carrément les mettre en place pour pouvoir falsifier la parole de Dieu. Et comme vous le savez, aujourd'hui, pour qu'une version de la Bible sorte, pour sortir une version de la Bible, pour éditer la Bible, il faut impérativement s'asseoir avec un comité dans lequel il y a des protestants d'un côté, des catholiques de l'autre, hein, et les différents courants du protestantisme, hein, pour que chaque personne, n'est-ce pas, donne son avis sur l'interprétation d'un passage. C'est pour cela que ça met des années, 10 ans, 15 ans, hein, pour pouvoir sortir une Bible. Donc, c'est un compromis, c'est la compromission, tout simplement. J'ai pas vu Paul s'asseoir avec Gamaliel pour pouvoir, mes amis, faire un travail. Donc, c'est impressionnant de voir à quel point notre monde est prêt à recevoir l'homme impie. Je crois que les événements que nos pays connaissent aujourd'hui nous montrent bel et bien que nous sommes véritablement à la fin de cet âge. Et voilà, donc je parle de, bien sûr, de l'âge de l'impie, de l'âge de l'humanité. Hein, on est arrivé à un temps où vraiment le Seigneur est en train de préparer son épouse pour l'enlèvement. L'apôtre Paul était catégorique. Il a écrit aux Corinthiens qui étaient d'origine grecque en disant qu'ils ne falsifiaient pas. Hein, qu'il disait, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Donc Paul, déjà à son époque, reconnaissait qu'il y avait beaucoup de prédicateurs, beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui falsifiaient la parole de Dieu. Et il les nomme des apôtres par excellence, hein, donc dans 2 Corinthiens 11 là-bas. Et il y avait beaucoup de personnes à l'époque. Il y avait plusieurs personnes qui falsifiaient la parole. Voilà. Et nous sommes arrivés à cette époque, justement, où le New Age, ce mouvement théosophique, est complètement, bien sûr, inspiré par l'homme impie, par le dragon. Ce mouvement, bien sûr, a infiltré la majorité de nos assemblées. Et je pense qu'on va faire peut-être une émission là-dessus, si Dieu permet, pour aller plus en profondeur, pour vous expliquer un peu ce que c'est ce mouvement, et qui a réussi à infiltrer beaucoup d'églises, beaucoup de sociétés bibliques, beaucoup d'instituts théologiques. Et c'est un mouvement qui prône, bien sûr, l'unité physique de toutes, mes amis, les religions. Ce mouvement qui prône, bien sûr, l'unité des nations, n'est-ce pas,
et sous la bannière, bien sûr, du Maitreya. Le Maitreya, selon eux, c'est le Messie. Et, hein, donc, voilà. Et ce mouvement dit que l'islam attend l'imam Mahdi, les juifs attendent le Mashiach, les chrétiens le Mashiach, donc Yeshua, et les bouddhistes le cinquième Bouddha, et les hindous Krishna. Alors ils disent que ce mouvement dit que, vous voyez, toutes ces religions attendent tous la venue d'un individu, et qui porte bien sûr des noms, plusieurs noms, en fait, pour ce mouvement, cet individu, donc qu'ils appellent le Maitreya, et le même, hein, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, les hindous, et il le décrit comme étant le Messie, donc le Mashiach, loin, et donc ils disent que tous ces noms ne sont que des synonymes, hein, de ce du nom véritable que porte ce monsieur, c'est cet homme, le Maitreya. Donc alors ils disent, pourquoi justement nous diviser? Parce que nous attendons tous le même personnage. Voilà. Donc alors ce mouvement, bien sûr, veut à tout prix détruire la foi juive, ou la foi, et la foi bien sûr chrétienne, parce que les juifs prient, donc le judaïsme bien sûr prêche la foi dans le Dieu d'Abraham. Bien sûr. Et, mais bien sûr, ils ne sont pas éclairés parce qu'ils sont restés sur la loi, et ils n'ont pas le Fils de Dieu, malheureusement. Et il faut aussi détruire la foi chrétienne, la foi véritable, parce que les vrais chrétiens croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Et le Père de notre Seigneur Yeshua, Yeshua lui-même, le Dieu véritable. Et les chrétiens croient que sans Jésus-Christ, comme la parole le dit, il n'y a pas de salut. Que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et personne ne peut effectivement prétendre posséder la vérité, parce qu'on ne peut pas posséder Dieu, parce que Dieu est la vérité. Donc, alors la foi chrétienne, bien sûr, dérange. Alors, il faut infiltrer justement les églises chrétiennes, infiltrer les instituts bibliques, infiltrer les écoles théologiques, infiltrer les églises pour... introduire, dans le but d'introduire peu à petit cette semence, n'est-ce pas, cette semence, ce venin, ce levain, hein, pour que les chrétiens, ben justement, arrêtent de croire en un seul Dieu, arrêtent de croire qu'il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ, n'est-ce pas. Donc, et malheureusement, cette semence du nouvel âge porte de plus en plus de fruits dans nos assemblées. Et donc justement, d'où l'œcuménisme, hein, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, et aussi le syncrétisme, donc le fait de s'ouvrir également à d'autres religions. Nous devons respecter tout le monde, nous devons considérer tout le monde, avoir du respect pour tout le monde, mais nous devons en même temps comprendre que la Bible est claire, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité, et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, Paul était catégorique. Hein. Ouais. Le comité dont tu as parlé tout à l'heure, mm-hmm. c'est un comité français ou international? Un comité, pour ceux qui habitent en France, c'est un comité français, mais il peut y avoir dedans aussi des théologiens et d'autres nations. Voilà. Donc, c'est eux qui valident cette Bible. Eux qui valident. Quelle version doit sortir, est-ce qu'elle est potable ou pas, est-ce qu'elle a trouvé le consensus de tout le monde, est-ce que tout le monde était d'accord ou pas. Voilà. Donc ils c'est comme ça. Par quelqu'un, ils sont ben c'est le establishment, hein, c'est le establishment, c'est ils sont élus par les hommes, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est d'accord. comme le Sanhédrin dans les Actes des Apôtres, dans les Évangiles. Okay. Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Mmh. Et donc, pour qu'une Bible soit éditée, il faut absolument qu'il y ait ce comité-là. Donc, celui qui ose réviser la Bible sans passer par un comité œcuménique, est traité de tout le nom. Hein, donc, d'illuminé, et son travail est méprisé. Et voilà. Donc, voilà le temps dans lequel nous sommes. C'est vraiment le temps de de l'occupation. Hein, donc le monde est sous l'occupation, bien sûr du gouvernement de l'Antéchrist, d'accord, et la majorité de nos églises sont également sous l'occupation, bien sûr, de l'Antéchrist.
Voilà. Du coup, la sortie de la BJC est un sacrilège pour eux. Mais la sortie de la BJC est un sacrilège. Voilà, qui sont ces gens, qui est ce monsieur, et qui finance, qui était là dans ce comité, qui a décidé de donner son, qui a donné son accord, son aval. Et voilà. Mais moi, je voudrais rajouter, parce que tu dis que beaucoup de chrétiens ne le savent pas, mais beaucoup le savent aussi et trouvent ça normal. Mm-hmm. Quand on leur explique tout cet organigramme, effectivement, ils disent, mais où est le problème ? Mmh. Les choses sont instituées, c'est normal qu'il y ait une hiérarchie, etc. Donc beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ces églises de système, effectivement, trouvent que ce système est normal. Donc il faut vraiment appuyer que non, ce n'est pas normal. Mmh. Selon la vision de notre Père céleste, selon la vision de Dieu, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, effectivement. En fait, c'est le monde qui aujourd'hui définit ce que c'est la norme. Mm-hmm. D'accord? Donc, Ésaïe 5, 20 nous dit malheur aux enfants et malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Donc, nous sommes dans un monde tellement, mes amis, paganisé, tellement corrompu que le mal devient le bien devient le mal. Et ceux qui veulent s'attacher au bien, ceux qui veulent être intègres, ceux qui veulent être vrais, ben, ils sont aussitôt taxés d'illuminés, hein, d'égarés, de sectaires, et on leur attribue toutes sortes d'épithètes, hein, donc on les marginalise et ils sont complètement rejetés, ce sont des parias, voilà. Donc ce n'est pas normal parce que ce n'est pas le monde qui doit dicter la norme pour nous, hein, notamment nous qui sommes chrétiens, nous devons respecter les uns et les autres, respecter les autorités, comme la parole le dit, respecter tout le monde, mais nous devons pas oublier que nous sommes chrétiens avant tout, et nous suivons, bien sûr, les principes qui nous régissent, hein. Donc ces principes, bien sûr, sont définis dans les Écritures, donc l'un de ces principes, justement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc voilà, le problème est à ce niveau-là. Et donc, vous devez comprendre que dans les temps, au jour d'aujourd'hui, ceux et celles qui veulent défendre la vérité seront obligés d'entrer dans la clandestinité. Nous sommes obligés d'entrer dans la clandestinité parce que les temps sont et seront difficiles. Il est vraiment important que les chrétiens comprennent en quel temps nous sommes. D'accord? C'est vraiment le temps de s'organiser avec nos familles pour prier avec nos enfants, nos femmes, nos maris, vos maris, et avec vos parents, tout ça, et parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, toutes les personnes qui n'auront pas qui n'auront pas le même langage, hein, qui n'auront pas la même vision, ben seront persécutées. Et la persécution s'installe. Il faut le comprendre. Il faut que les chrétiens le sachent. Voilà. Donc comme je disais, vous verrez les nouvelles Bibles qui vont sortir. Vous ne trouverez pratiquement plus les termes comme repentance, d'accord? Donc comme dans la NBS, donc c'est remplacé par changement radical. Mais quand on dit changement radical, donc ça veut rien dire. Hein? Quand on dit changement radical, je prends un exemple. Et changement radical, quelqu'un qui est noir peut dire je décide de devenir complètement blanc. J'éclaircis ma peau. Hein, comme Michael Jackson, et c'est un changement radical. Donc il n'y a plus la notion du bien et du mal. Comme subir une opération chirurgicale pour devenir homme ou femme et avec une nouvelle identité, c'est un changement radical. Mettre en avant l'attitude de piété. Donc ça exclut personnes. Totalement la notion de la piété. Hein, du regret, hein, de la tristesse produite par la conviction par l'esprit de Dieu qui produit en nous la conviction du péché. Vous voyez, frères, donc frères et sœurs, c'est quand même très très grave. Nous sommes dans un temps vraiment critique et je vous le dis comme vous le savez, donc c'est pas évident prendre position pour la vérité. Nous plonge donc totalement dans cette lutte, hein, dans cette lutte contre bien sûr les institutions purement religieuses et babyloniennes. Et voilà. Donc
Et c'est terrible. Donc, remplacer la repentance par changement radical, c'est une insulte. C'est une insulte. Donc, je crois qu'on va faire aussi des émissions là-dessus et pour expliquer hein, les termes grecs, hébreux et tout ça, et que des théologiens d'aujourd'hui, beaucoup, pas tous, hein, mais des théologiens d'aujourd'hui changent de plus en plus. Voilà, la repentance devient changement radical. Mais ça ne veut rien dire, changement radical. Le mot repentance, même dans le dictionnaire Larousse, mes amis, l'ancien dictionnaire Larousse, c'est bien spécifié, c'est bien spécifié que c'est le regret, n'est-ce pas, de ses fautes, hein, le regret lié à la, à la tristesse. Et c'est le regret, regretter ses fautes, la tristesse. Parle à cause de ses fautes, de ses péchés. Donc, voyez, donc quand on dit changement radical, bon, voilà, je peux dire, bon, là, j'ai changé radicalement, là, cette fois-ci, là, mm-hmm. alors que j'ai pas forcément, c'est pas forcément par rapport à un péché. Mm-hmm. Voilà, le mot repentance, ça, c'est vraiment la notion du péché, hein, du regret par rapport à ses péchés, n'est-ce pas? Donc, et dans la racine même du mot repentance, c'est nous, hein, nous, c'est l'esprit, hein, donc, l'esprit. Et voilà, donc c'est notre esprit est complètement régénéré. La repentance, c'est le fait, c'est pas seulement un changement d'opinion ou d'avis. Donc c'est d'abord le changement d'avis, d'accord. On change d'avis. Je prends un exemple. Et Philippe, par exemple, ne croyait pas que Dieu existait ou ne croyait pas que Dieu est amour. Hein? Pardon, tu peux avoir cette position-là. Oui, je ne crois pas que Dieu soit amour. Que Dieu est amour, je ne crois pas. Donc ça, ensuite, Dieu te convainc, et là, tu changes d'avis, et tu commences à dire, oui, Dieu est amour. D'accord? Ça, c'est le changement d'avis, changement d'opinion sur Dieu. Ensuite, la repentance, ce n'est pas seulement le changement d'avis, c'est aussi le changement de comportement. Je change d'avis, et je change aussi de comportement. Mais le problème, c'est que le changement de comportement est produit par l'Esprit de Dieu. D'accord. Donc, je change d'avis sur Dieu. Je change de comportement parce que Dieu produit cela en moi, le produit en moi par son esprit. Et donc, il y a là, je regrette mon attitude d'avant. Donc, je peux même pleurer à cause de cela. Ensuite, je ne m'arrête pas, je ne reste pas sur le regret, sur la tristesse. Donc, dans la repentance, métanoïa en grec, il y a aussi la notion, n'est-ce pas, de l'avenir, de la, je change pour aller de l'avant, d'accord. Donc il y a la notion de la confession, de la conversion aussi, d'accord. Et tout ça. Et aujourd'hui, on le remplace ce mot-là par changement radical. Oui, et il est important de vraiment rajouter aussi que cette repentance, c'est vraiment vis-à-vis de Dieu. Parce que beaucoup de personnes, effectivement, se disent « j'ai mal agi », mais c'est vis-à-vis d'elle-même. Donc, ça se tourne sur la personne elle-même. Mm-hmm. Elle dit « ah, moi, je veux... Non, ça, j'ai constaté que c'était pas bien. Je change. » Parce que c'est vis-à-vis des hommes qu'on veut changer. Mais la repentance, le mot repentance, vraiment s'assimile au Seigneur. C'est auprès du Seigneur, vraiment, qu'il faut aller se repentir. Mm-hmm. D'où aussi certains chrétiens, effectivement, confondent un peu en disant « bon, moi, j'ai changé ma vie, effectivement, parce que ça n'allait pas. Et puis, j'ai constaté que, voilà, c'était pas bien ce que je faisais. » Mais est-ce qu'on a présenté ça devant Dieu? Parce que c'est ça que le Seigneur aussi attend, c'est qu'on se repente devant lui. Mmh. Et non pas devant les hommes, mais d'abord d'aller vraiment au pied du Père, de lui demander d'abord à lui pardon. Parce que lorsqu'on pêche, c'est contre Dieu. Mmh. On ne pêche pas contre soi-même ou contre les hommes. C'est contre Dieu. Mmh. Donc, ça on peut aussi pêcher contre les hommes, c'est vrai. On peut aussi se repentir auprès des frères et sœurs. Oui, parce qu'on les a demander attristés, pardon, effectivement. Mais c'est d'abord... Mais d'abord Dieu, d'abord se repentir, d'avoir cette notion que lorsqu'on pêche, on pêche contre Dieu. Mmh. Donc, effectivement. Voilà. Et puis le Seigneur, après, nous met à cœur d'aller se repentir... auprès des frères et sœurs, si on les a bien sûr attristés. Donc tout à fait. Alors on veut beaucoup dans la quand ils font la révision, c'est notamment ce comité. Hein, donc il y en a partout hein, en France, aux États-Unis partout. Et ils veulent tellement rendre fluides les Écritures qu'ils, n'est-ce pas,
les dépouille, comme je disais, hein, de leur essence même. Donc, donc les termes sont, des mots sont allégés. Donc, et c'est terrible. Et ces mots perdent complètement leur sens, parfois même leur sens étymologique. Simplifié. Donc, ils simplifient. Okay. Hein, donc, du coup, la Bible devient simpliste, tout ça. Et puis, et c'est quand même, je crois que même si certaines personnes, même, même si les hommes n'arrivent pas à comprendre certains termes bibliques, bah, si on veut la vérité, si on a faim, on fait des recherches. Bien sûr. Voilà. Donc, ça doit les pousser à faire des recherches et, pour se former, pour se renseigner, pour. Voilà. Donc, et c'est important. Ça me rappelle à une époque où j'étais catholique pratiquant, et on me disait que comme le français évolue, alors l'Église aussi doit évoluer, et les mots aussi doivent évoluer. Donc voilà, en fait, l'évolution de la langue faisait que bon bah on s'arrangeait pour que les mots aussi, les mots de la Bible suivent cette évolution. Voilà. Et je pense que pour moi c'est une abomination parce que c'était une évolution qui conduisait plutôt à minimiser effectivement termes, tout simplement effectivement donc et c'est pour cela, frères et sœurs, vous avez vu dans la BGC, nous avons, et comme d'autres versions comme la Martin, comme l'Osterwald, resté sur des mots comme la repentance, comme l'évangélisation, l'évangile, et voilà. Donc l'enfer aussi, c'est un mot qui n'est plus employé dans beaucoup de versions moderne, hein. Donc l'enfer, oulala, ça dérange, et donc il faut surtout pas. Donc même dans beaucoup d'églises, on prêche plus sur l'enfer parce qu'il faut pas choquer les gens, il faut pas. Bah oui, mais les amis, nous sommes appelés à dire toutes ces vérités là, à partager toutes ces vérités au nom de Yeshua. Donc ce soir, nous avons voulu juste rapidement vous faire le point sur voilà certaines réalités qui sont méconnues d'un grand nombre de chrétiens. Voilà, donc Paul est catégorique, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Voilà, comme font plusieurs. Donc falsifier, c'est aussi, comme on vous l'a dit, hein, c'est changer des mots qui sont devenus soi-disant désuets et qui sont devenus démodés, et c'est allégé. Et puis, comme par exemple la repentance, dans beaucoup des Bibles, on le change par, on le remplace par changement radical ou changement de mentalité seulement. Donc, voilà. Alors que pour beaucoup de païens, beaucoup d'inconvertis, quand ils entendent le repentance, ils savent aussi que ça, c'est un terme aussi biblique. Hein, donc, voilà. Et on explique aux gens ce que c'est. On explique. S'il faut expliquer, on explique. Mais on garde ce terme-là au nom de Yeshua. Voilà. Que Dieu soit béni. Et on va prendre aussi la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre. Alors, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez pour éventuellement poser vos questions au 01 64 98 90 45. Quelque chose à laquelle je suis en train de penser, que le mot falsifier, en fait, ça veut vraiment dire, c'est rendre faux. C'est vraiment ça. Complètement, hein. Donc, ouais. C'est grave. C'est très grave parce qu'on rend faux les choses qui sont. Donc, voilà. Je suis en train de réaliser, en fait, qu'on est en train de vraiment détourner, de renverser la Bible. Des fondements. Voilà. Donc, en attendant, Apocalypse chapitre 12. Voilà. Donc, tu peux poser ta question. J'ai une question, en fait. Je me demandais. Par rapport aux changements qu'ils font dans la Bible, est-ce que c'est possible de ne pas ressentir la présence de Dieu justement en lisant, parce que ça modifie beaucoup de choses, en fait. Bien sûr. Parce que moi, c'est parfois ce que je ressens. Je t'ai parlé la dernière fois. Moi, j'ai eu la BCJ dans les mains. J'étais transportée, en fait. J'étais dans le train. J'ai pas encore eu le temps de le lire à la maison. Je le dis souvent dans le train où tu es venu à mon boulot. Pendant les pauses, et je suis transportée, et c'est bizarre, je me sens différente, vraiment différente. Dans mon travail, quand je le lis, c'est comme si j'avais quelque chose, et les gens, quand ils rentrent, bah, je donne, quoi. Je donne, et c'est quelque chose qui ne m'arrivait pas du tout. Okay. Donc, je voulais vraiment savoir ça, parce que moi, j'ai été transportée. C'est comme si je voyais une histoire devant moi, en fait.
Et ça, je ne le ressens pas. Je n'ai jamais ressenti, sauf quand le Seigneur lui-même enseigne. Mais en lisant la Bible, j'ai toujours un problème. Je ne comprends rien. Il y a des mots qui sont bizarres. Mais là, j'étais... Waouh ! Je me disais, c'est une histoire, c'est un livre. Je suis venue te voir, je t'ai posé la question. Donc, la parole de Dieu est vivante. Voilà. Donc, on nous a rapporté même une sœur, la lisait, une femme, étant qu'on la lire, et puis elle était possédée, Dieu l'a délivrée. Donc, bon, il n'y a pas que cette version, il y en a plusieurs autres, hein, plusieurs d'autres, comme la Martin, l'Osterwald et tout ça, la lutte de l'épée, de 1540, voilà. Et plein d'autres que nous vous recommandons. Et voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Et Apocalypse 12, à partir du verset 17. Alors le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins sur le sable qui borde la mer. Voilà. Le dragon fut irrité contre la femme, Israël, et s'en alla faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc toutes les personnes qui ont le témoignage, qui veulent garder le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est quoi le témoignage de Jésus-Christ? Quel est le témoignage de Yeshua? Apocalypse 19, 10. Alors je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Waouh! Donc ceux qui gardent le témoignage de Jésus, ce sont ceux et celles qui gardent, mes amis, l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie est celui qui se focalise sur, bien sûr, Jésus-Christ de Nazareth. Donc le fait d'être passionné de Jésus-Christ, le fait de tomber amoureux de Jésus-Christ, le fait de vivre pour Jésus-Christ, le fait de témoigner de Jésus-Christ, devient au jour d'aujourd'hui dangereux. Dans un monde où de plus en plus Jésus-Christ est rejeté. D'accord ? Au sein des assemblées où de plus en plus Jésus-Christ est rejeté, remplacé par l'homme mortel. On le voit dans les sept églises d'Apocalypse, dans l'église de Laodicée, au chapitre 3, verset 20, où il est dit que Christ est en dehors des églises. Il est hors. Il frappe à la porte. Donc, remplacer le témoignage de Yeshua, le fait que tout doit tourner autour de Jésus-Christ, tous nos enseignements, tout ça là, mes amis, aujourd'hui, c'est plus le cas dans beaucoup d'églises, c'est le témoignage des hommes. C'est le témoignage sur l'argent. C'est l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile de l'homme, c'est l'humanisme, c'est la théologie, n'est-ce pas, qui est mise en exergue. Les gens font des années et des années d'études théologiques pour se remplir le crâne avec la connaissance totalement philosophique. Et le témoignage de Yeshua, c'est-à-dire la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, la vie de Yeshua, tout ça s'est mis de côté, n'est-ce pas? Voilà, donc, et ceux qui veulent garder ce témoignage, le témoignage de Yeshua, ceux et celles qui veulent le faire, ben, sont automatiquement combattus, seront combattus par le dragon. Et si vous lisez bien dans Apocalypse 13, vous verrez que le dragon, c'est le diable, et c'est lui qui est, n'est-ce pas, est à la base du gouvernement mondial, c'est lui qui prépare les nations à recevoir et adorer l'homme impie. Donc, toutes les personnes, hommes ou femmes, qui veulent garder le témoignage de Yeshua, l'esprit de la prophétie, la personne de Yeshua, toutes ces personnes-là qui veulent garder l'esprit biblique, l'esprit dans lequel Paul a travaillé,
en refusant de diluer la parole de Dieu, en refusant de la falsifier, en refusant de remplacer les termes comme repentance, comme l'enfer, comme, mes amis, la sanctification, la sainteté, et comme, comment dire, plein d'autres termes, hein, donc, et comme le fait d'être, comment dire, totalement consacré à Dieu. Toutes les personnes qui veulent, mes amis, garder ce témoignage seront automatiquement combattues par le dragon. Directement combattues par le dragon. Et on nous dit ici que le dragon est irrité contre la femme, donc Israël. C'est-à-dire les juifs qui aussi veulent garder, mes amis, la pureté de la parole. Bien, donc, et les descendants de la femme, c'est-à-dire ceux et celles qui gardent le témoignage de Yeshua. Parce que, en tant que chrétiens, ne l'oubliez jamais, nous descendons tous, bien sûr, d'Abraham, sur le plan spirituel, parce que nous sommes, n'est-ce pas, descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Ou Israël spirituel, qui n'a pas, bien sûr, remplacé Israël physique. Et vous voyez, mes amis, donc, c'est une guerre contre le dragon, contre les institutions que le dragon met en place, et une guerre, et d'où justement la persécution. Un vrai chrétien ne peut pas se dérober, se passer, ne peut qu'être persécuté. Ça, c'est biblique. Le Seigneur a dit, si on m'a aimé, on vous aimera. Donc, vous voyez, c'est terrible le combat dans lequel nous sommes, dans lequel vous êtes. Et le combat pour la défense de la saine doctrine. Jude nous dit de défendre que nous sommes établis. Il nous demande de défendre, hein, de combattre, pas charnellement, mais dans la prière, en partageant la parole, de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois, une seule fois. Donc c'est un combat. Accepter de marcher dans la vérité est un combat. Accepter de défendre la parole est un combat de tous les jours. Accepter de se soumettre à Dieu est un combat de tous les jours. Et il faut mener correctement ce combat à la prière, en partageant l'évangile. Et comme je vous le disais, le monde est devenu globalisé et informatisé. De plus en plus, mes amis, des chrétiens authentiques seront combattus et on va les encourager à accepter la Bible du Nouvel Âge, la Bible du New Age, la Bible de l'Antéchrist falsifiée. Et préparé dans les coulisses de l'enfer, et préparé dans des antichambres de l'enfer, et pour bien sûr aveugler les gens, afin de préparer l'humanité à l'adoration et à l'acceptation de l'impie. Et vous devez savoir ce que vous voulez. Josué disait, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ou si vous avez des questions chez vous, vous voulez appeler. Ah, je par rapport à ce que tu dis, je vois aussi qu'ils sont en train de favoriser certains films, soi-disant bibliques, en fait. Et ces films-là, c'est un peu pour donner une version complètement, complètement antéchrist de la vérité. Bien sûr. Voilà. Je pense à Noé, bien sûr. Actuellement, celui qui est à l'écran, Moïse, c'est ça. Exodus. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Quand on voit comment ils falsifient les tout choses, à fait. C'est vraiment ça. Tout ça, ça fait exprès parce qu'il faut préparer les esprits, exactement. Préparer les hommes. Ouais. Et, tout à fait. Donc, tout est fait, hein, pour que les hommes acceptent, parce qu'il est dit que la terre entière suivra la bête. Hein, donc, on voit qu'il y a cette séduction qui est là quand même, qui se généralise. Hein. Donc, pour que la terre entière suive la bête. Nous n'ignorons pas qu'il y a certaines personnes qui travaillent pour certaines traductions de la Bible, comme la Summer, comme la NBS. Il y en a qui sont sincères, hein, attention, qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, mais qui sont aveuglés. Mais toutefois, nous ne devons pas rester bouche bée, muets face à toutes ces, mes amis, tous ces dangers qui nous guettent. Et voilà, donc, que Dieu vraiment nous aide. Même la Luce Seconde de 1910, hein, qui était bien traduite, qui était pas mal. Hein, donc, cette version-là, révisée aujourd'hui, elle est complètement dénaturée. Hein, Luce Seconde en 1910,
parler de la repentance. Aujourd'hui, voilà, dans la nouvelle seconde, il n'y a plus cette notion-là de la repentance, donc remplacée par changement radical, par le mot changement radical. Et donc, on voit vraiment que plus nous nous approchons du retour du Seigneur, plus des chrétiens, pas tous les chrétiens, mais des chrétiens, quand même beaucoup, ou des conducteurs chrétiens, évangéliques, sont séduits, bradent, mes amis, l'évangile, la vérité, acceptent, refusent la persécution et préfèrent adopter une attitude globalisée, un langage politiquement correct, mm-hmm. pour ne pas être persécuté à cause de la croix de Christ. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô. Oui, vous pouvez parler, vous êtes en direct. D'accord. Alors, j'ai une question, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour juste une petite lumière. C'est concernant un texte du roi 8, verset 26. Concernant? Du roi 8, verset 26. Du roi 6. Est-ce que vous pouvez le lire? Alors, c'est concernant le roi Acasias. D'accord. Alors, j'ai lu d'abord Deuteronome 8, Deuteronome 22, verset 2. Parce qu'il y a une contrainte. Donc, je pense que c'est dans... On vous entend très, très mal, là. C'est très mal. Deux rois, chapitre 1. Deux rois 8, verset 26. Et ensuite, Deuteronome 22, verset 2. Ah, il faudrait peut-être te rappeler parce que là, on n'entend pas du tout. Là. D'accord, monsieur. Voilà. On ne peut pas répondre à une question qu'on n'a pas bien compris parce que le frère, on ne l'entend pas bien. Et voilà. Donc, vous voyez, nous sommes dans un monde globalisé où tout le monde doit avoir le même langage. C'est Genèse 11. Hein? Donc, tout le monde, toute la terre avait les mêmes mots, hein, nous dit la parole. Donc, c'est le temps dans lequel nous sommes. Tous les chrétiens doivent avoir le même mot. Tous les hommes doivent avoir le même mot. Voilà. Et on voit dans 1 roi 22, lorsque Akab a envoyé des gens pour chercher le prophète Michée, et ces hommes lui ont dit, voici les prophètes, les 400 prophètes, tous d'un commun accord, prophétisent du bien au roi, que ta parole soit comme la leur. Hein, comme la leur. Donc on voit bien que Michée, à un moment donné, il a dit oui, non, moi je dirai ce que Dieu me dira. Mais quand il arrive devant Akab, il a quand même dit oui, tu peux y aller, tu vas vaincre, tout ça. Et Akab le dira, mais combien de fois t'ai-je dit de ne me dire que la vérité au nom de Yahweh? Et là, ben, Michée va reprendre courage pour dire, eh ben, justement, Yahweh m'a dit que tu vas mourir, tout ça. Et voilà. Donc on voit bien que Michée était seul contre 400 prophètes de Baal. Élie, à son époque, était seul contre 850 faux prophètes, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté ou d'Achéra. Donc, vous voyez, frère, donc, croyez-moi, ce n'est pas la majorité qui fait que la vérité est vérité. Ce n'est pas la majorité qui possède, qui détient la vérité. La vérité, déjà, ne peut être détenue. Donc, Dieu n'est pas justement dans la majorité, dans la foule. Dieu a toujours été le Dieu de reste. Voilà. Ça nous trompe souvent. Et parce que c'est un comité qui va faire un comité évangélique mélangé avec comité évangélico-catholique, eh ben ça va rassurer parce que il y a des grosses têtes théologiquement parlant et voilà, des grands docteurs, mes amis, et là ça rassure les chrétiens. Mais quand c'est un frère comme Philippe, on dit mais c'est qui Philippe, on le connaît? Non, on connaît pas. Nadia, on connaît pas. Non, mais Gloria, on connaît pas. Laetitia, non, on connaît pas. Ah non, mais il y a pas de comité. Non, il y a pas de comité. Même si c'est Dieu qui est à la base, on dit non, il y a pas de comité. Eh ben c'est un travail bâclé. Eh ben ils ont mis combien de temps? Moins de 2 ans, moins d'1 an. Ah non, c'est du bâclé, c'est pas ça. Et voilà. Donc voilà comment nous sommes séduits. Voyez. Et c'est parce que c'est le monde dans lequel nous sommes, c'est Babylone. Il faut qu'il y ait tous, que tout le monde soit dans la même direction. Voilà. Donc je ne sais pas si il y a d'autres personnes qui veulent appeler. Ils sous-estiment. Tu peux prendre le micro parce qu'on ne t'entend pas. En fait, ce que je voulais. Ouais, c'est bon. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression, enfin, c'est ce que je pense, hein, ils sous-estiment l'Esprit de Dieu, ils sous-estiment Dieu
pour eux, en fait, quand tu n'es pas d'accord avec eux, ben, c'est, Dieu ne peut pas faire ça, en fait. Ils se disent pas que Dieu est capable, justement. Regarde, la Bible, elle est là. Elle est là en moins de 2 ans, quoi. Il a permis tout. C'est waouh, quoi. Justement, le Seigneur, il fait des choses, tu dis waouh. Et eux, pour eux, c'est oui, Dieu, 1 plus 1 égale 2, ça veut dire non. Dieu, justement, comme tu disais, il est dans les restes. Il surprend tous les jours. C'est bien pour ça que les anges disent saint, saint, parce qu'ils se renouvellent tout le temps, quoi. Et eux, ils ne comprennent pas. Voilà, ils minimisent vraiment, quoi. Dans la théologie, on t'apprend à réfléchir, à raisonner. Hein? Donc, il y a trop à plus raisonner qu'à croire. Hein? Donc, simplement que Dieu peut. Hein? Voilà. Donc, et à force d'accumuler des diplômes sur diplômes, hein, donc ça nous monte, hein, donc ça nous gonfle, voilà. Donc parce que quand tu te présentes avec bac plus 40 en théologie, en exégèse, tout ça, en herméneutique, c'est sûr que waouh, tout ça là, quel terme, tout ça, ça impressionne les gens. Hein. Mais bon, la vie de tout ça, c'est où la vie de Dieu? Elle est où là? C'est ça le plus important. Les gens ont besoin de manger des termes comme l'exégèse, tout ça, ils ont besoin de voir la vie. Mm-hmm. Ils ont besoin d'être délivrés, guéris, restaurés. Mm-hmm. Voilà. C'est ça le plus important. Ça ne donne pas la paix de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, en tout cas, frères et sœurs, moi, ce soir, j'ai voulu simplement vous annoncer de la part du Seigneur que les temps sont difficiles. Le monde est prêt à recevoir l'homme impie. Les églises sont prêtes, beaucoup d'églises sont prêtes à recevoir le faux prophète. Et elles les ont déjà reçues, hein, ces églises. Donc, il faut un seul, un même langage, une seule vision, les mêmes mots et tout ça. Et le même gospel partout, et la même musique rap chrétienne, hein, donc rap chrétien partout. Et la gratuité, surtout, là, bien sûr, ça dérange parce qu'une Bible est gratuite aussi, ça dérange, ça ne plaît pas. Parce que ça fait que beaucoup d'entreprises tombent comme dans Actes 19. Hein, donc ceux qui construisaient les temples de Diane, ont réalisé que leur entreprise était menacée. Et pourquoi la gratuité? Parce que l'évangile, oui, le salut est gratuit, disent-ils, mais par contre, l'évangélisation, il faut des moyens, tout ça. Eh bien, écoutez, il y en a même qui a dit, un théologien qui a dit, mais oui, mais Paul, Pierre, Jacques, tout ça, ne donnaient pas gratuitement leurs manuscrits, ça coûtait cher, ils ne se baladaient pas partout pour les distribuer. Mais écoutez, ce monsieur n'a pas compris que Paul disait, notamment dans Colossiens 4, que lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans les églises de la Macédoine, et lisez aussi celles qui viendront de chez eux. Et donc, les apôtres écrivaient, hein, bien sûr, sur du papyrus, sur du parchemin, et envoyer ces lettres qui étaient des lettres circulaires partout et gratuitement. D'accord, je suis désolé, et arrêtez de vouloir à tout prix vendre les choses aux chrétiens. Ne vendons pas nos Bibles, ne vendons pas la formation biblique. Et voilà, et cet homme, bien sûr, est un employé, son employeur, c'est bien écrit, c'est son église, hein. Mm-hmm. Donc c'est sûr que le message sur la gratuité, ça plaît pas. Voilà, ça plaît pas. Donc je suis désolé, mais moi, jusqu'à preuve du contraire, je continuerai après ce message parce que j'ai pas vu Paul vendre ni ses formations bibliques qu'il donnait aux gens, parce qu'il en a donné plusieurs, ni ses manuscrits, les vendre. Non, il les envoyait gratuitement, je suis désolé. Et le Seigneur soutenait son œuvre. Et voilà. Donc il y en a qui vont dire, bah oui, mais le Chora dit qu'il ne vend pas sa Bible, cette Bible. Par contre, les gens soutiennent financièrement. Bah oui, mais mes amis, voilà, on n'est pas contre les offrandes libres, c'est biblique. Mais il faut arrêter de chercher la petite bête, quoi, mes amis, là, il faut arrêter. Je comprends tout à fait que vos entreprises soient menacées. Je conçois tout à fait que ce n'est pas évident parce que vous êtes des employés de ces organisations religieuses. Mais je suis désolé, si c'est Dieu qui vous a appelé, le Seigneur vous nourrira comme il nourrit les oiseaux. Quoi. Matthieu 6, donc je ne vais pas vous rappeler les versets bibliques. Je crois vraiment qu'il faut qu'on revienne à la parole, c'est tout. Donc à la vision missionnaire. Voilà, donc... Et c'est tout, qu'on ne trouve pas des arguments. Non, mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que le Seigneur a voulu dire. C'est plus le salut. Isaïe 55, c'est plus par rapport au salut. Ce n'est pas vraiment par rapport à la gratuité. Écoutez, arrêtez. Yeshua a nourri les gens gratuitement. Jésus-Christ a formé les gens sur les montagnes, partout. Il allait prêcher dans les synagogues, dans le temple. Et en aucun cas, il a exigé, n'est-ce pas, un droit d'entrée. En aucun cas, il n'a exigé de quelqu'un une quelconque participation financière pour avoir une formation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis désolé, mes amis. Et
nous devons revenir tous, ceux qui aiment le Seigneur néanmoins, qu'on revienne à la parole. Hier, on a cru à la dîme. Hier, on croyait également à la vente de produits voilà, dérivés de la Bible, quoique on le donnait plus qu'on le vendait. Mais aujourd'hui, Dieu, quand il nous a éclairés, nous sommes revenus, nous revenons à lui. Revenons à la parole, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc arrêtons avec le raisonnement des arguments complètement charnels, excusez-moi du terme, hein, complètement bidon. Voilà, tout ça parce qu'on sent que son salaire à la fin du mois est menacé et que pour payer ses traites, pour payer, mes amis, son banquier, rembourser son banquier, c'est compliqué. L'argument maintenant, c'est que comme on la donne gratuit, c'est bizarre. Et quand on la donne, comme on la donne gratuitement, c'est bizarre. Où est le bins, où est le piège ? Quel est le piège ? Voilà. C'est ça. Ouais, donc, en fait, c'est parce que, comme je vous le dis, nous sommes dans un monde tellement globalisé que tout doit aller dans le même sens. Celui qui va à contre-courant voilà, devient automatiquement, n'est-ce pas, suspect. Voilà, donc, et c'est le monde dans lequel nous sommes. Vous voyez, c'est comme un enfant à qui on a toujours dit depuis son enfance, sa naissance, les chats mordent. Le jour où on lui dira, où il va découvrir qu'en fait, ce n'est pas le cas, il va dire non, moi, ce n'est pas ce qu'on m'a appris, ce n'est pas vrai, tout ça. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de théologiens qui aiment le Seigneur. Eh bien, je vous invite, mes amis, à sortir de la théologie parce que c'est un poison pour vous. Hein? Donc, à chercher Dieu dans la prière et il va se révéler. Et puis, on continuera à prêcher le même message. Voilà. Donc, ça ne déplaise aux gens. Et je sais que ce n'est pas évident. Allô, bonsoir. Ouais. Allô. Allô. Oui. Allô? Oui, on vous entend, on vous écoute. Bonsoir, frère Kweto, parce que je suis Marie-Claire. Donc, ouais, le problème pour. Je suis quittée à bâtiment. Bon, je ne suis pas à l'aise, quoi. Tout le temps, on m'appelle, parce que là-bas, j'ai été fait de protocole. Bon, les problèmes, c'est pour les prières. Là-bas, on nous montrait qu'il faut commencer d'abord louer le Seigneur. Après, tu demandes le pardon. Après, tu vas demander aussi le sang de Jésus pour tes laves. Après, tu appelles le Saint-Esprit à tout ça. Parce que, bon, pour le moment, je ne comprends pas comme je prie maintenant Jésus-Christ. Je ne sais pas comment je vais faire pour prier. Bon, c'est ça. En plus, je voulais dire aussi, Dieu m'a fait grâce et m'a délivré, puisque j'étais venue le 19 à la prière à Paris. J'étais avec un bibon dans mon sexe. Donc, j'étais partie voir le docteur. Le docteur m'a dit que, bon, on va faire même, je vais, dans l'ingal, on peut un peu l'inciser. Mais moi, j'ai refusé. Mais quand j'étais venue à la prière, Dieu m'a fait grâce. Donc, tu as été guérie. J'étais partie. Les bibons, là, c'était disparaître. Donc, le kyste en question a disparu. Ton kyste a disparu. Le kyste a disparu. Oui, oui. Il n'y en a pas. C'était éclaté, quoi. Oui, oui. Ah ben, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On peut acclamer le Seigneur. Oui, oui. Il n'y en a pas. Voilà, que Dieu soit béni, ma sœur. En tout cas, garde ta guérison au nom de Yeshua. C'est pour cela, je voulais... Amen. Je voulais savoir pour les problèmes de prière. Je vais prier comment, problème de... Quand tu demandes pardon, tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus. Tu peux méditer Matthieu chapitre 6. Tu peux lire Matthieu chapitre 6, Dieu va te parler. Oui. Tu lis ça chez toi à la maison, d'accord? Voilà, bon courage. Oui, en plus, c'est parce que j'ai des témoignages. Bon, pour les bâtiments encore, un jour, j'ai vu dans les rêves, j'ai vu un cratère, ça commence à, comment on dit en français, bâtiment. Un tracteur qui détruisait tous les bâtiments d'église. Il était debout. Donc, j'ai vu beaucoup de... des choses, des rêves. Ok, c'est bien. En tout cas, on en parlera une autre fois. Donc, comme ce soir, c'est plus doctrinal. Restons sur la doctrine, et puis les révélations, tout ça, on verra une autre fois. Merci, ma sœur. Voilà.
Que Dieu soit béni. Autre chose? Moi, j'avais une question. Bon, je sais pas si ça n'a peut-être pas à voir avec la doctrine, mais c'est une question, je viens de penser à ça parce que ma soeur Nadia est là. Je discutais, disons, je partageais. Plus fort, hein, parce que. Je allô? Voilà, on va monter là-bas. C'est bon. Je okay. partageais avec ma soeur Patricia qui est retournée en Côte d'Ivoire sur l'enfer. Mm-hmm. Et elle me posait une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Justement, avec humilité, je disais que je poserais la question. Elle me disait, comment se fait-il qu'en enfer, le diable soit toujours en mesure de faire du mal? Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire qu'on le voit toujours en train de persécuter les gens. Or, l'enfer a été réservé pour lui. En fait, l'enfer voilà. N'est pas réservé pour le diable. Okay. C'est le lac de feu. D'accord. Voilà, Matthieu 25-41 nous dit cela. Yeshua le dit. L'enfer, en fait, vient du mot Hadès. Hein? Hadès était chez le grec le dieu du monde souterrain. Donc c'est un démon à la base. Donc l'enfer est un démon. D'accord. Donc un des collaborateurs de Satan. Donc voilà. Donc, donc du coup, en enfer, bien sûr, c'est le diable même qui règne. Okay. Voilà. D'accord. Ça. Parce qu'à la fin de temps, à la fin, après le jugement dernier, selon Apocalypse 20, à partir du verset 15, 11 à 15, l'enfer où le dieu Hadès, ce démon, et la mort rendront les morts qui sont en eux, et les deux, l'enfer où Hadès et la mort, seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Okay. Voilà. D'accord. Donc, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Donc, c'était juste une petite exhortation pour vous encourager à tenir ferme, à rester attaché à la parole, à la vérité. Et aussi à vous dire de ne pas trop vous arrêter sur nous, sur moi. Je suis en train de courir aussi vers le Seigneur. Et donc, chacun doit chercher à développer sa relation avec le Seigneur. C'est le temps dans lequel nous sommes. Donc, le monde est sous l'occupation de l'Antéchrist. La majorité de nos églises sont sous l'occupation de l'Antéchrist. Donc, si Dieu suscite des frères et sœurs, ce n'est pas pour qu'ils deviennent des idoles, qu'ils deviennent pour qu'on se focalise sur eux, mais au contraire, c'est pour crier afin que chaque chrétien aille plutôt vers le Seigneur. Donc, c'est pour cela, ne me demandez pas où se trouvent les églises où vous pourriez aller. Ça, vous l'avez compris. Ne me demandez pas de vous recommander des pasteurs. Ça, vous l'avez compris. Et nous n'avons pas d'ambition de commencer, de bâtir une église pour dire aux gens de venir à cet endroit. Au contraire, nous voulons vous prêcher le royaume de Dieu. Nous voulons vous prêcher Christ, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vous parler de notre Père Céleste, de son Esprit, vous parler de l'Évangile, tout simplement, et de la Nouvelle Jérusalem, donc du retour du Seigneur, tout ça. Là, voilà. Nous voulons nous focaliser vraiment sur cet Évangile-là, donc sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, et la délivrance des âmes, bien sûr. Donc, que Dieu soit béni. Donc, une question? Non, c'est pas une question. Okay. En fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la sœur. J'ai à cœur de dire à la sœur, en fait, Jésus est notre amoureux. Jésus est notre mari. Moi, je sais que quand on est amoureuse dans le monde, on n'a pas besoin de réfléchir pour dire quelque chose à son petit ami ou à son copain, enfin, à son fiancé. On vient, on ouvre son cœur. C'est pareil pour la prière. La prière, quand on prie, en fait, on parle avec le Seigneur. On ouvre son cœur. Tu n'as pas besoin de dire 50 000 mots. Il suffit juste d'un petit mot que tu vas dire et l'Esprit de Dieu va venir. Tu vas sortir des choses que tu n'imaginais même pas. Donc voilà, moi je conseille à ma sœur de vraiment, comme c'est écrit dans la Bible, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu te mets face à face avec ton père, qui est aussi ton mari. Tu lui dis, qu'est-ce que je dois faire parce qu'on m'a appris ça. Mais moi je sais que toi tu n'es pas dans les calculs, je veux que tu m'apprennes. Voilà, moi je conseille ça à la sœur. Voilà, Matthieu chapitre 6. Donc en lisant la parole avec l'esprit, l'esprit va t'enseigner. Donc c'est naturel. Que Dieu soit béni en tout cas, mes amis. Merci pour votre soutien, pour vos prières. Et voilà, donc que Dieu soit béni en tout cas. Et puis à tous les défenseurs de la saine doctrine. Et nous prions également pour nos autorités, comme la parole le recommande. Que Dieu bénisse toutes les autorités. Donc le président, les ministres, tout ça, les maires, les préfets, et que Dieu bénisse également tous les pasteurs et qui aiment la vérité. Il y en a de plus en plus qui nous encouragent, qui prennent position aujourd'hui et qui la prennent depuis des années, hein, mais qui aujourd'hui de plus en plus
nos deux frères, vous n'êtes pas seuls. Et nous voulons vraiment aussi vous dire merci et vous encourager à marcher dans cette vérité jusqu'au bout. Et au nom de Yeshua, car le maître n'est plus loin. Que Dieu vous garde, mes amis. Demain, 19h, une émission sur le témoignage de notre sœur, donc de Nadia et Gloria, bien sûr. Et que le Seigneur vous garde à tantôt, comme on dit chez vous. Amen. Amen.